Le fils organise une collecte de jouets? Je parie qu'ils ont besoin d'aide. Miles, enfin on peut s'appeler. Oh, salut Pete, comment ça va? J'ai vu les infos, j'étais en Simcari du coup. Donc il y a une histoire de pont explosé ou de bagel décontaminé? Je veux pas dire grand chose en contexte. Enfin bref, je regarde les vols. Je peux revenir dès demain soir? Non, surtout pas. Ça ira. J'ai trouvé qui était les responsables et je vais les arrêter. Je te le promets. Ok, je te fais confiance. Mais si t'as besoin... Immobiliser Spider-Man, il nous faut vivant! Fais-moi les malins! Alors, boss, c'est quoi le plan? La famille de Finn a un atelier de réparation dans le centre. C'est là-bas qu'elle faisait tous ses bricolages. Avec un peu de chance, elle y va encore. Ce serait pas plus simple de l'appeler pour lui parler? Franchement, je pense pas. Quand je l'ai vu sur le pont, c'était quelqu'un d'autre. Il faut que je sache pourquoi elle fait tout ça. Ok, fais ce que t'as à faire. Tiens-moi au courant. C'est pour ma grand-mère. Joyeux Hanouka. L'Enguzo, ça va, mon pote? Tout le monde semble oublier, mais l'essence de Kwanza, c'est l'Enguzo. A plus, leader gamin! Oh, je suis content de vous voir, Spidey. Il paraît que vous avez des problèmes avec les dons de jouets. Hé, hey, Spider-Man, je suis Sam. La dernière fois que j'ai fait l'inventaire, il manquait 200 jouets. Vous pensez qu'on les a volés? Je sais pas, mais aujourd'hui, on doit avoir 2 camions pour faire la collecte. Et d'après les traceurs GPS, il y en a 3. Il y a un truc qui cloche. Il y a clairement un intrus. Mais comment je fais pour savoir lequel? Je pense que si vous arrivez à lire leur plaque, on saura lequel est un faux. Vous pouvez compter sur moi. Donkey, il y a 3 camions du Fist qui circulent en ville et l'un d'eux est un intrus. Tu peux m'aider? Tu pourrais utiliser la caméra de ta tenue pour choper les plaques d'immatriculation et vérifier la base de données des véhicules volés. Essaie avec ce camion. Ça marche! J'ai obtenu la localisation des camions grâce au Fist. Tu devrais les voir. Récupère les plaques et je vérifie dans la base de données. T'es le meilleur. Je t'envoie les photos. Je dois récupérer ces jouets pour les enfants. Ouh, le Père Noël doit avoir une vie stressante. Thank you.
En voilà un. Je dois prendre la plaque en photo. Il a besoin d'une photo bien définie. Ok. C'est le moment de vérité. C'est pas un camion volé. Cherche encore. Il me faut une photo nette de près. Ok. Je vérifie la plaque. Dans le mille. Suis-moi ce camion. Pas me faire passer pour un crétin devant Joe, ok? C'est lui qui t'a volé tes jouets. Ces gamins vont être super déçus de ne pas les avoir. Hey, j'ai pas eu de cadeau quand j'étais mort. C'est bien tiré. Ok. On dirait qu'ils font un genre de trafic de jouets et que leur chef est un certain Joe. Comment je vais le trouver? Si t'arrives à prendre des images de leur visage, j'utiliserai un logiciel de reconnaissance faciale et on verra ce que ça donne. Ok, on dirait que je vais devoir passer en mode camouflage si je veux pouvoir m'approcher. Non, trop flou. Je dois recommencer. La recherche est lancée. Attends un peu. Niette, blanc comme neige. Au suivant. Bien, je vérifie la base de données de la police. RAS pour celle-là. Nickel la photo au fait. Joli, recherche le numéro. C'est notre homme. Suis-le.
Je touche à rien. J'arrive tout de suite. Ça doit être les acheteurs. Une fois qu'ils seront ensemble, tu pourras démanteler toute l'organisation. Écoute, je vais faire ça. C'est les jouets les plus tendances de cet hiver. Ils se vendront le double des peluches Spider-Man de l'année dernière. Mais comme je t'aime bien, je vais te faire un petit prix. Je dirais que le prix de gros soit de 30 000. Parce que c'est ce qu'on avait convenu hier. Donnez des jouets aux enfants, sérieux ? Vous voulez vraiment que je vous attrape, hein ? À nous tous, on l'aura ! C'est ça pour vous, l'esprit de Noël ? Eh ben, figure-toi que j'ai prêté le Spider Serment. Alors c'est pareil. Les fêtes sont sauvées. Maintenant, vérifie quand même que les jouets sont dans le camion. Touche pas à la marchandise. Tanky, j'ai trouvé les jouets. Je fais juste un dernier coup de ménage. Génial, tu gères mon pote. Ça va très mal se finir pour toi. Allez, j'embarque mes jouets et je rentre chez moi. Ce guignol nous met la misère. T'as vraiment mal choisi ton jour. Hey Sam, j'ai retrouvé les jouets. Je vous envoie leur position. Ils sont sur les quais à Midtown et ils sont intacts. Ah, ça, c'est une super nouvelle. Je suis en route, j'arrive. Comment vous remercier, Spider-Man ? Vous venez de sauver le Noël de ces gamins. Je vais m'assurer que les jouets arrivent à bon port. Je suis content de vous avoir aidé, Sam. Passez de bonnes fêtes. Ah, y a rien de mieux que démanteler un gang de voleurs de jouets et sauver Noël pour les enfants. Tu m'étonnes. Je ne serais pas arrivé sans toi. Hé, hey, on a un stand de charité qui se fait attaquer pas loin de toi. Allez. Me revoilà. Tu disais ? Ok. Mais si t'as besoin d'aide, je saute dans le premier avion disponible. Sinon, on se revoit mort. Tu peux faire tes prières. Alors lâche. Spider-Man sauve l'esprit de Noël. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas comment je les aurais arrêtés. Ça m'a fait plaisir. Disponible. Sinon, on se revoit à mon retour dans deux semaines, ok ? Ouais, ok. Merci. Et bon courage pour apprendre le cimetarien. Pourquoi ils ont 7 mots différents pour dire toilette ?
plan d'installer une base ici sans que personne s'en aperçoive, monsieur. D'après l'appui, on a une agression en cours près de là où tu es. Franchement, c'est pas j'ai cool de prendre lacrymo. Des innocents comme ça. Sérieux, les gars. Laissez tomber, c'est Spider-Man qui compte. Répare. Je viens de penser à des répliques de ouf que j'aurais pu utiliser. Bon bah, la prochaine fois. Triste de la voir comme ça. Je devrais trouver un moyen discret d'entrer. Pour mieux pas attirer l'attention. C'est parti! Ohé! Oh, bonjour la poussière! Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Des livres de Rick de l'ESU. Il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique. Il bossait comme un dingue. Tiens, quelqu'un a laissé allumer ? Un pass Roxxon pour Ella Sterling. C'est Finn sur la photo. Finn planifiait un cambriolage avec quelqu'un de Roxxon. Espèce de médoc? Du GCSF? Pour soigner des lésions de la moelle osseuse. C'était pour qui? Je me souvenais pas qu'il y avait des briques ici. L'équipe qui a créé le Nuform est tombée malade. Et Rick était... Non, il dirigeait le projet ?
Ok. Ça, c'est une pièce secrète. Finn a dû concevoir tout le matos de l'Underground. C'est curieux, on se retrouve tous les deux à porter des masques. C'est une vidéo qui date de 6 mois. Je fais un test de transfert. Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est une uniforme. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêt? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plus tôt que prévu. Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coûts. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire? C'est sûr. Ouais, tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne l'uniforme. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde, je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet Nuform. Mais ça a mal tourné. La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Ok, juste pour la suite. Allez, allez! Disparais, disparais! Allez! Il est ici! Ne laissez pas s'enfuir! Quand j'ai disparu d'un coup, ça les a fait flipper. Laissez pas Spider-Man toucher à l'ordinateur! Où est-ce qu'il s'est barré? On va t'arracher ton foutu humain, tu vas voir! J'ai un Spider-Man en carton! Jamais tu pourras nous arrêter! Il a fait sa landie. Le portable de Finn, je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à Rick et pourquoi elle est devenue Tinkerer. Ah, j'ai une adresse. Je devrais appeler Gangi et me tenir au courant. Alors, t'as trouvé quelque chose dans l'atelier de Finn? Ouais,
Je sais pourquoi elle fait tout ça. Quelque chose est arrivé à son frère. Un truc grave. Oh, non. Rick travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur le Nuform. Wow. Apparemment, le Nuform l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Bon. Finn et son frère ont voulu saboter le réacteur prototype pour pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas... encore. Finn a tout enregistré sur son téléphone, mais elle l'a perdu dans le labo. Je pars le récupérer. Écoute, je bouge pas. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ça roule. À mon lit. Et voilà, c'est reparti. Une catastrophe s'est abattue sur la ville. Des explosions, un pont qui s'effondre, une fusillade en pleine heure de pointe. Dieu soit loué, il n'y a pas eu. Mais nous aurons peut-être moins de chance la prochaine fois. Et si cette attaque avait eu lieu quelques jours plus tard, pendant la soi-disant tempête du siècle, dont le journal de 5 heures ne cesse de nous rebattre les oreilles, ça aurait été la panique la plus totale. Beaucoup sont pointés du doigt, notamment ces voyous de l'Underground. Néanmoins, il est de mon devoir de vous préciser que l'attaque de l'Underground visait uniquement une voiture blindée, jusqu'à ce que le petit morpheux de stagiaire de Spider-Man décide de gérer la situation tout seul. Et que s'est-il passé? Il a aggravé les choses! Ce gamin veut être le nouveau Spider-Man! Ah! Ben il est sur la bonne voie! Ah! Tiens, à ce propos, vous avez remarqué que le premier Spider-Man a totalement disparu de la circulation? Je vais vous dire pourquoi. Il fait comme ses parents qui prétendent que le mioche qui pique les frises au rayon céréales n'est pas le leur. Mais on sait bien que les chats font pas des chiens! On le sait! Et tu es le chien, Spider-Man! Super. J'ai plus qu'à suivre la piste. Pourquoi pirater un panneau publicitaire? Pour intimider les gens? Annoncer la sortie de leur nouveau single? Et voici donc l'Underground. Allez, le transmetteur. Et voilà. La prochaine fois, l'Underground devrait distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. C'est là que tout le projet de Nuform a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. Pas maintenant. Ils sont là. Il y a peu de ventilation. Ils ont intérêt à se manier. On est trop vulnérables pour l'instant. Et ça me va très bien comme ça. Ce conduit a un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qu'il alimente? Hey!
reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Si j'arrive à charger des trucs, eh ben, peut-être que je peux aussi les décharger. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. Et voilà. Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Les vacances de Noël, c'est plus que c'était. Je devrais être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et me gaver de biscuits en point d'épices. Pff, sérieux. C'est par où ? Personne qui a conçu ça ne peut pas avoir les idées claires. Ma tenue va sentir l'éponge. Le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Oh oh. J'apprends. Si c'est l'Underground, descendez-les. Spider-Man ou Tinkerer, on capture. 5 sur 5. Et si on a besoin de renfort, merde! Claron, c'est toi le rôdeur? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute, j'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors aide-moi. T'as... Aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Certain si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Tu vois ce conduit avec la protection laser ? Comment t'as fait ça? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. C'est là que je dois aller. Rhino a flagué toute une centrale électrique. Ça aurait pu toucher plus d'un seul quartier. Ces gamins ne sont vraiment pas une menace. Je vais demander une mise à jour. Ouvrez l'œil. Attendez, j'ai entendu un bruit. Mal, c'est discrètement.
désolé, j'ai pas pu résister. C'est normal. INS. N'aurais jamais tout. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo, et ensuite au réacteur. Un réacteur à Nuforme ? C'est ce qui est marqué sur le plan, ouais. Hé, hey, où est le Nuforme que j'ai demandé ? Oh, on essaie d'en fabriquer plus, mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et ? Eh bien, il paraît qu'une dose de Nuforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas ? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être fait dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Krieger a un délai à tenir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches ? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis ? Pour te protéger. Tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. Se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville ? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuforme. Le Nuforme a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Concentre-toi. Trouve le téléphone et sors de là. Dépêche-toi. Les gardes vont pas tarder. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Ça n'est pas pire que les autres. J'appelle juste pour voir s'il t'est pas blessé. Ou bien, mort. Ha ! Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro ? Ouais ! Figure-toi que c'est aussi le rôdeur ! Une longue histoire ! Attends. Le rôdeur ? Le voleur dans son costume violet ? L'ancien voleur ! On fait pas équipe ! C'est temporaire ! Ton oncle est le rôdeur ? Dingue. C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganky. On en reparlera plus tard. Attrape. C'est un cadeau. Oh.
c'est de désactiver les caméras et les alarmes pour qu'il n'y en ait pas plus qui débarquent. Brise les câbles au-dessus du ventilo et il devrait s'arrêter. Merci. Il faut que j'aille couper ce ventilateur. Les câbles. La batterie est déchargée. Si elle n'explose pas. Cool. Bon. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuforme. Ça t'embête pas? De détruire ta création? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt? Prêt. Lancement du forçage dans 3, 2... Finn. C'était pas moi. Sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Je peux l'arrêter. Je peux l'arrêter. Non. Non! Finn! Ne regarde pas! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui? Rick voulait sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron, tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es? Pourquoi? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, oncle Aaron. S'il te plaît. Oncle Aaron? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. Wow. Comme les générateurs dehors, mais... Carrément. C'est gros. Qu'est-ce que tu fais? Miles, tu vas bien? Il faut pas que tu restes là. Tu arrives à bouger? Ouais. Ouais. Passe par ce couloir. Vite! Je sens vraiment pas bien. J'ai éclaté. Téléphone. Je peux pas garder une énergie. Miles, parle-moi, petit. Tu vas bien? J'ai l'impression d'être tombé d'un avion. Mais au moins, le réacteur est HS. T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Roxxon.
Envoie ! On a reçu l'instruction de t'enfermer ! Ils ont reçu l'ordre de te capturer. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Étudier, interroger. Chasse-toi et je comprends. Ne te laisse pas faire. Courage, vous avez l'engagé ! Miles, je viens de me faire éjecter du système. Donne-moi une minute, je vais te sortir de là. Gamine! C'est pas tes oignons, Spider-Man! Allons-y, avant qu'il en arrive d'autres. Waouh! Trop cool la technique de camouflage. Comment ça? Marche. Tu prends à gauche, je prends à droite. Ça craint à mort. T'inquiète pas, on est plus fort qu'eux. C'est pas eux qui m'inquiètent, c'est qu'ils se battront après qu'on sera sortis. Tiger nous a saoulés de notre imaginaire. Je peux la voir. Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Bon, je devrais appeler Finn. Non, non.